Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau training log Power Building cycle 2 semaine 3. Emploi du temps chargé cette semaine, ça a chamboulé un peu toute ma routine et vous le savez, on est sérieux là-dessus. Donc vous allez voir dans les shots qui vont suivre et je ferai un feedback après. Ça a été délicat, on a validé ce qu'on voulait valider. J'ai quelque chose de gros qui arrive la semaine prochaine, j'espère que je pourrai vous en parler relativement tôt. J'ai fait un petit passage dans la vidéo du vlog, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, apparemment pas dans les commentaires, mais si vous creusez un peu bien dans cette vidéo, vous allez comprendre ce que c'est. Bon visionnage. Alors comme vous l'avez vu, au passage je filme avec ma super selfie stick là. Oh putain c'est haut. Ouais, reviens là. Comme vous l'avez vu, le squat c'était vraiment simple, mais simple grâce, j'ai l'impression, à mon jogger, sans mentir, parce que il est relativement serré, celui-là c'est un Nike. Et du coup en bas du mouvement j'avais comme j'imagine un mini rebond, et c'est pour ça que mon amplitude n'est pas si extraordinaire que ça, alors que je pensais être vraiment bien descendu parce que je sentais la résistance. Qu'on a aux alentours de la parallèle généralement, ben là je pense que c'est un peu plus à cause du jogger, donc c'est peut-être ça qui a fait que mon lift était simple parce que je suis pas super satisfait de l'amplitude. Je le vois sur la vidéo là pour la première fois avec vous. Tant pis, on verra la semaine prochaine. En tout cas, c'était vraiment simple. Le développé couché, vous l'avez vu, en fait, je peux pas déraquer avec mon grip actuel, donc mon écartement de main. Je peux pas déraquer sur les pins, les crochets, là, comment on appelle ça, les chandelles hautes, c'est impossible. Je suis obligé de prendre un grip serré pour faire ça, mais ça me sort de mon cycle, donc c'est pas possible. Du coup, je le mets sur les chandelles basses, mais à déraquer aussi bas avec un si haut pourcentage, donc on est à 90% là. Ce pullover, il est impossible à faire quand on est bien arqué. Donc j'ai dû mettre mon dos très plat, mais du coup, niveau stabilité, enfin, vous l'avez vu sur l'excentrique, c'est juste pas possible. Juste pas possible, donc. Bref, c'était un peu ghetto, mais après j'ai un peu répé les 40 kilos pour me faire plaisir, hein, plaisir à l'ego surtout, et on a enchaîné sur ce fameux jour 3 avec le soulevé de terre qui a été catastrophique aussi, hein, avec cette barre raide. Enfin bref, tout pour me plaire cette semaine. C'est pas grave, on s'en fout, tout est validé de toute façon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mon système nerveux est prêt pour le prochain 5x5. Donc on se voit la semaine prochaine pour ce Little 5x5. Concernant donc le planning, j'y reviendrai lundi, je pense aussi. J'ai envie, en tout cas. Je vous dis pas que. Parce que pensez que YouTube, c'est pas mon. J'allais dire mon repas principal, putain, j'ai fait mon boulot principal, mais j'ai envie de faire le lundi une sorte de ce que j'ai appelé dans ma tête, pareil, donnez-moi des noms si vous voulez, mais Tagitalk. Donc c'est juste, je prends un sujet et j'en parle face cam, je vous demande votre avis, on en parle dans les commentaires, j'aime bien interagir avec vous, tout le monde peut échanger, c'est plutôt cool, et généralement, on me demande souvent mon opinion sur ci, sur ça, sur ça. Donc je vous demanderai également les sujets, pour l'instant, j'en ai listé quelques-uns. Moi, je pense que ce sera intéressant et facile pour moi à monter, donc celle-là sera sûre que ce sera là. Le mercredi, je voudrais vlogger, donc comme vous l'avez vu, full day of eating, du training, du voice-over sur le training, et s'il se passe des événements, bah, tant mieux. Sinon, bah, ce sera une journée relativement simple. Et le vendredi, ça restera sur les training logs, donc ce que vous avez là devant les yeux, parce que je vais continuer à faire ce petit cahier d'entraînement virtuel, parce que je pense que c'est...
intéressant pour ceux qui liftent et notamment qui suivent maintenant le programme que je fais, d'avoir par exemple mon retour sur chaque mouvement, peut-être qu'ils pourront s'identifier sur le leur et ce sera donc bénéfique à leur training et à votre training en l'occurrence. En voilà, 3 vidéos par semaine, c'est l'objectif pour à partir de maintenant. Je vais essayer de le tenir et je pense que je peux le tenir vraiment. Je pense que je peux le tenir et d'ici que j'ai mon nouveau matos, après il y aura encore plus de qualité sur les vlogs donc ça me plaît tout ça, ça me plaît. Enfin bref, pas forcément je m'excuse, mais désolé pour cette semaine qui n'est pas si palpitante que ça avec les foins. Déjà que les foins c'est chiant, mais alors là c'était catastrophique. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un premier Tagi Talk. Et nous, sinon, on se voit, ceux qui sont intéressés par le training log, la semaine prochaine avec un nouveau 5x5 avec les charges que vous avez vues précédemment dans la vidéo. Donc je suis déjà un peu plus pumpé pour ça. Je vous dis ciao. À la semaine prochaine. Liftez bien, couvrez-vous bien, il fait froid. Et puis ça.